Donc, mes bananes milkshake, comme vous avez vu sur le thé, on va faire simple, healthy dish. Donc, pour ça, on a besoin du poisson, saumon, salmon, moutarde, du piment frais, poivre, l'ail, persil sec, du citron, huile d'olive, brocoli, les haricots verts congelés, les pommes de terre fraîches. Tu peux utiliser les haricots verts congelés aussi si tu veux. Frais, je veux dire. So, we are going to do healthy dish. Healthy, healthy, very healthy dish. So, we need salmon, parsley, everything. So, I'm going to marinate my fish with my ingredients. I'm going to add a little bit of parsley, moutarde, black pepper, garlic. Je vais mettre tout ici, les moutardes, un tout peu de cube magique bouillon. Tu peux voir juste ça, c'est bon comme ça. Ça, c'est du piment frais, du citron, jus de citron. C'est très bon avec du salmon. Très, très, très bon avec du salmon. Un peu d'huile de curry à soupe d'huile, c'est bon. Et je mélange très bien. Maintenant, je vais plonger mes poissons dedans, poisson saumon, salmon fish. Et j'avais oublié mon fish seasonement. Je vais mettre un tout peu de ça aussi. Et voilà, je peux plonger mes poissons dedans. Je marine ça et je laisse se reposer au moins 10 à 15 minutes pour que l'assaisonnement attrape très bien. Et on va mettre ça au four. Ok? Voilà, je marine très bien là. J'espère que mes bananes à milkshake vous allez très bien. Voilà, je laisse se reposer pour 15 minutes. Voilà, c'est les pommes de terre fraîches. Je les ai bien lavées parce que je dois utiliser la peau. Je les découpe en deux. C'est les baby pommes de terre. On va bouillir ça au moins pour 10 minutes. Voilà, je continue toujours. La recette, là, c'est super délicieuse and healthy. Ça, c'est les brocolines et les haricots verts. Donc, je vais mettre mes pommes de terre dans l'eau. Ça va bouillir pour 15 minutes. 10 à 15 minutes. À surveiller. Et je vais cuire mes brocolines et mes haricots verts en vapeur couscoussière. Parce que brocolines et ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Donc, c'est pour cela que je cuis en vapeur. Et voilà, j'ai laissé reposer mon poisson saumon pour 15 minutes. Et je vais mettre ça au four juste pour 10 à 15 minutes. C'est bon. Saumon, c'est très facile à cuire. Donc, ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est parti au four 180 degrés. Et voilà. Donc, mes haricots et brocolis, c'est bon comme ça. Donc, je peux les retirer. Mes pommes de terre ne sont pas complètement cuites. Donc, je laisse cuire encore pour 10 minutes. Parce que j'ai juste cuit mes haricots verts et brocolis juste pour 5 minutes. Et j'ai mis mes pommes de terre sont cuites maintenant. Donc, je mets tout ça dans mon poêle. Dans ma poêle, je veux dire. Et le reste de mon persil sec. Et un peu de beurre. Je vais mettre du beurre ici. Vous voyez? Voilà, je mets tout peu de cube magique bouillon. Et ça, c'est la sauce de pomme de terre, cheese sauce pour pomme de terre. Mais c'est très bon avec la recette. J'ai mis juste un tout peu, demi-cuillerée à café, juste pour changer la couleur. Voilà, je laisse cuire comme ça, juste pour 2 minutes, c'est bon. Hein? Je mélange parce que les légumes, c'est déjà cuit, juste pour que le beurre se melte et la sauce que j'ai mis pour que ça s'attrape très bien. Donc, je mélange très bien et je laisse comme ça. Juste ces 2 minutes de cuisson, c'est bon. Voilà, c'est presque fini comme ça. J'ai juste mélangé. Et voilà, ça aussi, c'est bon comme j'ai goûté. Tout est là, tout est là. Tout est là. Voilà, c'est presque fini. Je vais revoir mon poisson aussi, si c'est prêt. Et facile, très facile et rapide. Et voilà, juste 15 minutes de cuisson de salmon aussi, c'est prêt.
Il n'y a rien à faire, sauf à servir. Donc, n'hésite pas de t'abonner si tu es sur ma chaîne pour la première fois. Tu as aimé ma cuisine. N'oublie pas de t'abonner. OK? If you're on my channel for the first time, you like my cooking, subscribe. If you are not subscribed yet on my channel, it's free. OK? Look how lovely is this. Hein? Très joli à voir là. Très, très, très joli. Et so healthy. Vous pouvez me suivre sur Instagram, le secret de la bonne cuisine, ma page Facebook, le secret de la bonne cuisine aussi. J'espère que la recette là, vous allez aimer. Si c'est le cas, like it, comment it, partagez avec la famille, les amis, à tout le monde. Je vais déguster pour vous là, comme vous ne pouvez pas déguster là. Moi, je vais faire miam, 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 miam. Trop bon. C'était très bien, très bien, très bien, très bien. Wow, regarde ça. Mes pommes de terre sont bien cuites, bien assaisonnées. Très bien. Essayez ça, vous allez vraiment aimer. Très simple et très rapide à faire encore. Ça ne prend pas votre temps ni rien. Peut-être tout 30 minutes de cuisson, c'est bon. La préparation et tout, 30 minutes, pas plus que ça. Je vais goûter les légumes aussi, les haricots verts. Wow, c'était trop bien quand même, c'était trop bien. I really enjoy it. I'm telling you. J'ai vraiment adoré. Et voilà, comme je vous dis, tu n'es pas abonné là. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi, ok? À très bientôt pour une autre vidéo. Bisous à tout le monde. Merci beaucoup.